Bonjour les Queen et les Kings, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu mon joli mug? Très belle poterie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la poterie avec le portrait d'une femme extraordinaire, une Anglaise, Joanna McKinnon. Bonjour à tous, je m'appelle Joanna, je suis céramiste, je suis Anglaise et j'habite à Saint-Géraud-de-Corps, mon petit coin de paradis en Périgord. La plus ancienne poterie a été fabriquée au Japon 10 500 ans avant notre ère. Elle se généralise même à l'époque du néolithique. C'est-à-dire que quand les hommes ont décidé de ne plus être des sauvages, ils se sont consacrés à l'élevage, l'agriculture et ont fait de la poterie. Dans une rencontre, j'arrive à percevoir le rayonnement d'une personne par sa gentillesse, son regard, mais aussi sa voix. Joanna, avec son accent anglais, elle vous fait fondre. Hello, Joanna. Bonjour à tous, je m'appelle Joanna, je suis céramiste, je suis anglaise et j'habite à Saint-Géraud-de-Corps, mon petit coin de paradis en Périgord. Ici, dans mon atelier, je fais des choses en céramique. Parlez-nous de vous, Joanna. J'enseigne et j'ai participé dans les portes ouvertes, les marchés Noël, les marchés potiers et les marchés des créateurs dans le Périgord, dans le Gironde, dans le Lot-et-Garonne. Ici, c'est mon passion et je suis amoureuse de tout ce qui est créatif depuis que je suis une petite fille. Je fais de l'argile depuis j'ai 11 ans. J'ai une fac de céramique et en Angleterre, j'étais une prof d'art plastique. Joanna, je sais une chose, c'est que vous adorez les poissons. Et j'adore les poissons. Je suis poisson. Mes nouveaux projets, c'est des poissons sur les plaques, comme ça. J'adore. J'aime bien les poissons. Et je veux faire poissons sur les plaques. Et aussi, j'adore faire des étudier en pastel. Voilà. Et aussi, je fais les choses plus sculpturelles, comme ça. Ça, c'est mon passion. Et quand je fais quelque chose, je mets un peu de moi y entre. Et ça, c'est très spécial. Joanna, vous vivez à Saint-Géraud-des-Corps, c'est en Dordogne. On peut prendre des cours chez vous? Donc, oui, j'enseigne chaque semaine, le mercredi matin, le jeudi matin et le jeudi après-midi. J'ai des adultes qui viennent chaque semaine pendant 2 heures. On fait toutes les choses avec les plaques, avec les colombins, sur le toit. On peut vous rencontrer dans votre atelier et ailleurs? Aussi, je participais dans les marchés, comme j'ai dit, à Château Carbonneau, une dimanche par mois, c'est bien. Et aussi, j'ai des poteries à Andalo, c'est une très jolie boutique à Bergerac, c'est très bien. Et aussi, il y a une nouvelle coiffeuse qui va ouvrir à Montpont, Mère Nature. Et Marie, le propriétaire, elle va organiser des ateliers d'enfants et adultes. Je vais faire le marché de potier à Boronne le 13 et 14 août. Et aussi, je suis à Duras. Il y a une boutique éphémère là-bas, au-dessus de l'Halle. Et j'ai mes poteries là aussi. Donc, je vais faire un petit tour de mon atelier. C'est un peu bazar, mais voilà. J'ai des choses ici. Et aussi, c'est mon petit boutique. J'ai besoin d'un plus grand boutique. Et c'est qui le petit poilu qui vous tient compagnie tout le temps? Je veux introduire mon chien. Merci. Il est mon meilleur ami. Merci. Et il adore le soleil. Hey, kiss, Messi. Kisses, Joanna. Merci beaucoup. Mais
bonne journée à tous. Et si vous voulez venir me voir chez mon atelier, vous êtes très bienvenus. Et merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Johanna, je vous l'avais dit, c'est une femme séduisante, bienveillante. Les coordonnées sont sur le blog cotimag.wordpress.com si vous désirez en savoir plus sur Johanna. Et puis peut-être que vous pouvez commander une de ses créations. Elle a un compte Instagram, Facebook, il n'y a pas de souci pour être connecté avec elle. Et vous, pour être connecté avec moi, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur ma trombine, juste là. Et si vous avez envie que je parle de vous, c'est gratuit aussi. Vous m'envoyez un mail, le voici. D'autres reportages arrivent avec des personnes qui vivent en France et qui sont extraordinaires. Je fais de mon mieux pour les trouver, rien que pour vous. Alors, à très très vite. Ciao, ciao.